la meilleure de Sologne. Goûtez la messire. Oh, ce n'est pas le moment de boire, ami Benoît. Quoi? Les nouvelles sont mauvaises? Oh, quand notre bon roi Jean sera prisonnier des Anglais, elles ne peuvent pas être bonnes. Ouais. Ma cervoise, elle est pure, elle est fraîche. Est-il encore arrivé des renforts ce matin? Oui, les archers, les cavaliers escortant toujours ces fameux chariots. Attention! Place! Faites place! Oh. Attention, vous voulez. Bonnes gens de ce village, bourgeois, vilains et serfs, nous, Florent, conseiller privé de Haut et Noble Édouard, prince de Galles et de Sire Lionel, duc de Clarence, tous deux fils du puissant Édouard, roi d'Angleterre et de France... Dire qu'ils font entendre ça. Tais-toi, Benoît. Décrétons et ordonnons ce qui suit. Le couvre-feu sera respecté dès le coucher du soleil. Silence! La prime de 500 écus, qui avait été promise pour tout renseignement permettant la capture de Thierry, ancien seigneur de Jeanville, est décrétée hors la loi pour avoir pris les armes contre notre bon roi Édouard, est portée à 2000 écus. 2000 écus pour Thierry Lafond. Tais-toi. Tout secours apporté au hors la loi ou à ses hommes sera puni de la corde. Fait à Jeanville, le troisième jour du mois de mai, en de grâce 1359, par nous, messire Florent. Isabelle, vous avez entendu? Oui, Benoît. Mais je ne comprends pas. Oh, c'est pourtant simple. Thierry et ses compagnons tiennent les bois depuis 2 ans. On augmente la prime aujourd'hui, alors que depuis une semaine passent de mystérieux chariots. Mais Sire Florent n'est pas très malin. Cette fois, j'ai compris. Ils ont peur que Thierry cherche à savoir où vont ces chariots et ce qu'ils contiennent. Mais la proclamation qu'ils viennent de faire est le meilleur moyen d'éveiller sa curiosité. Mais que fais-tu, Isabelle? Je prends ma cape, Benoît. Il fait encore frais en cette saison, dans nos forêts de Sologne. Écoutez. J'entends rien. Et toi, Judas? J'entends les oiseaux, c'est tout. Que crains-tu, Thierry? Rien, géant, mais j'ai entendu mon nom et c'était la voix d'Isabelle. Oh, oh, j'ai rêvé, ben, j'ai entendu aussi, moi, j'ai l'oreille fine. Oui, géant. Mais c'est avec son cœur que Thierry est. Thierry! Cette fois, en avant! Isabelle! Oh, Thierry, je vous cherchais, mais je commençais à désespérer. Que se passe-t-il? Votre ancien intendant, messire Florent, vient d'augmenter la prime pour votre capture. À combien suis-je estimé maintenant? 2000 écus, Thierry. Pas mal. Et nous? Vous? Rien, Jean. Rien? Oh, que c'est vexant. Et pourquoi ce regain d'intérêt pour ma personne? Benoît pense que l'arrivée des renforts y est pour quelque chose. Est-il encore passé des chariots ce matin? 4, Thierry. Fortement escorté et soigneusement recouvert d'une bâche. Il se dirigeait vers le nord. 4 aujourd'hui, 12 hier, autant avant-hier. Retournez au village, Isabelle. Et prévenez Benoît que j'irai lui rendre visite cette nuit. Méfiez-vous, Thierry. Le couvre-feu a été avancé. Il y aura des patrouilles dans les rues. Alors rentrez vite pour ne pas les rencontrer. Que Dieu vous garde, Isabelle. Que Dieu vous garde, Thierry. Oh, c'est la même.
Le soleil se couche. Dehors, je veux pas d'ennui. Ah, ben oui, mais moi j'avais encore soif. Allez, je paye le dernier pas. D'accord, mais tu paieras aussi la corde pour nous pendre tous. Ah bon, bon. Alors, viens, la bonne nuit, Benoît. Alors, bonsoir, mes amis. Ouf. Isabelle, tu es là? Oui. Entre vite. Tu as prévenu Thierry? Il viendra ici cette nuit. Oh, il est fou, il est patrouille. Ce ne sont pas 5 ou 6 Anglais qui l'arrêteront quand il se bat depuis des mois contre une armée entière. Il est 7 heures, dormez en paix. Il est 7 heures, dormez en paix. Il est 7 heures. Oh. Qu'y a-t-il? Le couvre-feu, Isabelle. Tu ne peux plus te risquer dans la rue. Tant pis. J'attendrai Thierry ici. Tu l'as fait exprès, hein? Devine, Benoît. Devine. Pas me promener la nuit dans la forêt. Voilà. La nuit, c'est fait pour les sorcières. Et pour les hors-la-loi, Bertrand. Ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas, Judas. Mais je préfère me battre à découvert, en plein jour. Cela viendra, Bertrand. Chut. Mais qu'est-ce qu'on attend, Thierry? Que tout dorme au village, Lucien. Nous allons nous séparer ici. Jean et Judas viennent avec moi. Bertrand et Boussicot, vous restez ici. La lune se lèvera dans 1 heure environ. Si nous ne sommes pas revenus à ce moment-là, c'est qu'il est arrivé quelque chose. Venez aux nouvelles, mais soyez prudents. Mais pourquoi n'allons-nous pas tous ensemble chez Benoît? 3 hommes passent plus facilement que 6. Et dans tout ça, moi, quelle est ma mission? Toi, Martin, tu retournes au camp. Tout ça? Tu n'as pas peur? Peur, moi? Celui qui réussira à me faire peur n'existe pas encore. Je le savais. Judas, Jean, en route. Bertrand, c'est compris. Pas avant que la lune ne se lève. C'est compris, Pierre. Eh bien, Martin, on retourne au camp. Tout de suite, Boussicot? Bon. Alors, bonne chance. Au camp. Tout seul. Oh là là. Ça y est, j'ai perdu le chemin. Il ne voit rien ici. Ah, le voici, le chemin. Non, c'est pas le chemin. Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Oh, j'aurais dû rester avec Boussicot. Oh, j'entendais pas. Silence, les grenouilles. J'ai dit silence. Oh, my. Cette fois, ça y est. C'est une patrouille. Allez, ils vont tomber sur Boussicot et Bertrand. Couchons-nous. Une lanterne. Pourvu qu'elle ne me voit pas. Oh, ces grenouilles. Va-t'en, sale bête. Veux-tu me laisser? Enlève tes pattes. Enlève tes pattes, mon nez. Sauve-toi. Un homme là. Attrapez-le. Vite. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Réponds. C'est les grenouilles. Tu te moques de moi? Et non, monseigneur, je... Qu'est-ce que tu fais dans le bois? Je suis coupable, sire capitaine. J'avoue, je braconnais. Ah, où sont tes pièges? Ils sont tombés dans l'eau. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait de lui? On le tue. Ah, pas de précipitation, surtout. Braconner, c'est pas un grand crime. Bon, alors, emmenons-le au château. À Janville? Non, à Veille. Les caves sont plus profondes. Alors, le vin est meilleur. Bon, ben,
C'est une plaisanterie. Ah, bah tu riras moins demain, allez, en route. Duel, c'est par là? Non, c'est par là, d'où on vient. Tant mieux. Alors je vous suis avec plaisir. Oui, bah, en route. Pourquoi Thierry vient-il ce soir, Isabelle? Attendons-le, nous le saurons. Il fait nuit noire maintenant, oui. C'est lui. Tu n'es vraiment pas prudent, Thierry. T'es volé son clou? Oui, oh, moi je suis prudent. Pourquoi es-tu venu? À cause des renforts. Oh, ils ne te sont pas destinés, rassure-toi. Ils escortent les chariots. Qui contiennent? Oh, ça, j'en sais rien. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Je pense bien que les soldats n'ont rien eu de plus pressé que de venir dans mon cabaret. Ils étaient couverts de poussière. La route a dû être longue. Bière, vin de Touraine, ils ont bu. Du vin de Bordeaux aussi, je suppose. Hein? Non, genre, ils n'en voulaient pas. Ils en avaient eu à partir par été. Certitude, ils viennent de Guyenne. Oui, mais où vont-ils? Mystère. Que transportent-ils? Nouveau mystère. Pour que la consigne soit si sévère, c'est que le chargement en vaut la peine. Mais d'autres. Écoute, Thierry, laisse-les passer. Bon voyage. Si tu les attaques, ils resteront. Il y aura des représailles. Le village est fatigué de la guerre. Laisse-les repartir, Thierry. Ils sont trop nombreux pour toi. Mm-hmm. C'est aussi votre avis, Isabelle? Vous ferez ce que vous jugerez bon, Thierry. L'ami Benoît a peut-être raison. Judas. Et d'un autre côté, les laisser partir sans même savoir ce qu'ils emportent. C'est vraiment ce que tu penses? Non, Thierry. Mais c'est ce que tu penses, toi. La bougie! Qu'est-ce que c'est? Les bons chrétiens sont couchés à cette heure-ci. J'ai vu de la lumière par la fente de tes volets. Ouvre donc. Et n'aie pas peur, je suis seul. Oui, mais le couvre-feu. Il n'est pas fait pour moi. Ouvre. Qu'est-ce que je fais, Thierry? Ouvre. Judas, je viens. Oui. Tenez-vous prêt. Alors, je viens. La patrouille. N'aie pas peur, ces braves garçons me servent d'escorte. Merci, mes amis. Vous pouvez rentrer au château. Mais, monseigneur... Je retrouverai bien ma route. Donnez-moi cette torche. Et allez vous coucher. Oh, bien, monseigneur. Allez. Qu'est-ce que... Oh, mais tu avais de la compagnie. Comme vous le voyez, monseigneur. Mais bien armé, ma foi. Allons, rentrez vos dagues. Je ne vous veux aucun mal. La patrouille, n'est-ce pas, le couvre-feu, ils allaient partir. Partir? Mais non, vous ne pouvez pas refuser de trinquer avec un vénérable curé. Quoi? Eh oui, regardez-moi, je ne suis pas soldat, que diable. Oh, pardon. Et rentrez vos armes. Oh, mais voici une charmante villageoise, hein? C'est ta servante? Non, c'est ma fille. Oh, belle fille, en vérité. Vous me faites trop d'honneur, mon père. Mon père? Ah oui, c'est vrai. Bon, mais trinquez donc avec moi, j'ai le gosier sec et je n'aime pas boire seul. Depuis 3 jours, j'escorte ces chariots maudits qui font une poussière aussi épaisse qu'un édredon des Flandres. Les chariots, 3 jours. Présenté ainsi, monseigneur, votre requête ne souffre pas de discussion. Asseyez-vous donc à notre table et voyons ensemble si le vin de Touraine réussira à laver 3 jours de poussière dans un gosier ecclésiastique. Non, je ne suis pas anglais, pas français non plus. Madame, la reine d'Angleterre, aime que je lui raconte les hauts faits, les actions héroïques auxquelles son rang et son sexe lui interdisent de participer. Et vous lui dites aussi les misères du peuple? Les villages pillés et incendiés? Les enfants mourant de faim? Ah non, elle est beaucoup trop sensible et moi aussi. Les charges des cavaliers dont les armures étincellent au soleil. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà ce qui intéresse. Et que lui direz-vous dans votre prochaine lettre? Ah, messire, au fait, comment vous nomme-t-on? Qui, moi? Ouais.
Eh bien, Thierry, Thierry la Fronde. Amusant ce surnom, n'est-ce pas? Vous ne l'avez jamais entendu prononcer? Ma foi non, mais je n'arrive que d'aujourd'hui. Mon nom à moi est Judas. Amusant également. Et moi, Jean, tout simplement. Comme vous, messire Froissart. Ah oui, c'est tout simple. Vous avez un bien joli collier. Un souvenir de famille. Mais buvez donc. Merci. Mais où en étais-je? Ah oui. Dans ma prochaine lettre à ma reine, je lui raconterai comment nous avons pris le capitaine Bertrand du Guesclin. Quoi, vous avez pris? Non, mais nous allons le prendre. Est-il d'accord? Ah, à vrai dire, il ne le sait pas encore. Mais que peut faire le vaillant capitaine contre une armée supérieure en nombre? Il peut s'enfermer dans sa ville de Pontorson, s'y retrancher et attendre. Il n'attendra pas longtemps. Nous viendrons l'y chercher. Les murs sont solides. Savez-vous ce qu'est une bombarde? Oui, j'en ai déjà vu une. Alors imaginez 20, 30, 100 bombardes crachant le feu contre les murs de Pontorson. 100 bombardes? Et où les trouverez-vous? Nous en avons acheté en Espagne, fondu à Bordeaux. Et depuis 3 jours, nous nous dirigeons vers le nord avec la poudre, les boulets et les bombardes dans la poussière. Vous voulez dire que... Ouais, tous ces chariots sont destinés au capitaine Bertrand du Guesclin, qui ne s'en doute guère. Dans 2 jours, nous quitterons le château de Bueil et... Quoi, vous partez déjà? Oui, demain nous aurons, je pense, une rude journée. Oh oui! Merci encore, messire Froissart. Oui, votre conversation est pleine d'enseignements. On le dit, messire Thierry Lafronde, mais j'écris encore mieux. Bertrand. Bertrand, tu dors? Hein? Quoi? Non. Les Anglais? Non. La lune. Ah. Mais ils sont pas revenus. Ami Boussico, tu sais ce qu'il nous reste à faire. Oui. Ah. Oh, bah, j'aime mieux ça, moi. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Rien à signaler? Rien. Et toi? Moi, oui. Au fait, Jean, pourquoi as-tu pris mon nom tout à l'heure? Hein? Je ne sais pas, comme ça, une idée. Ben, cet homme, ce Froissart, ça pouvait être un espion. Qui c'est, ce Froissart? Un bavard. Qui nous a appris beaucoup de choses. Oh, oui. Raconte. Mais tout à l'heure au camp. Martin doit nous y attendre. Venez! Moquez-vous, mes chevaliers, moquez-vous. Mais la reine, ma mère, n'a jamais trouvé de secrétaire qui vaille ce Jean Froissart. Il n'a pas son pareil pour rapporter scrupuleusement tout ce qu'il voit. Édouard, mon frère, vous vous trompez. Froissart n'est pas si scrupuleux. Il n'est pas à 10 000 morts près dans une bataille. Et pour ce qui est de la voir, c'est toujours de fort loin. Lionel, vous n'êtes qu'une méchante langue. Sire Édouard, chacun sait que Froissart a toujours préféré se faire raconter une bataille que d'y participer. Mais Sire Florent, je vous préviens que Froissart vous oubliera dans ses prières. Est-il vraiment prêtre? Demandez-le lui quand il reviendra. À propos, Gaston. Monseigneur. Où est ton maître? Selon son habitude, monseigneur, il est allé respirer l'air du village. Et voir quel air ont les villageoises. Halte! Qui va là? À la gare! Abaisse cette pique, imbécile, c'est moi, messire Jean Froissart. Laissez passer! Oh. Ah! Messire Froissart, nous ne vous attendions plus. Oh, pardonnez-moi, sire Édouard. Et comment sont les villageoises? Couchez, sire Lionel, à cause de votre couvre-feu. Et il vous a fallu tout ce temps pour le découvrir? Et celui de noyer mon chagrin au cabaret. Oh, conserve, messire Froissart. J'ai rencontré de charmants compagnons. Ah, malgré le couvre-feu.
Merci. Au roi Édouard et à Dame Philippe. Au roi Édouard et à Dame Philippe. Oui, charmant, surtout un certain, comment déjà, un certain... Ah oui, Thierry Lafronde. Qui avez-vous dit? Thierry Lafronde. Il m'a écouté avec beaucoup d'attention. Et que racontiez-vous donc? Eh ben, voilà. Mes exploits passés? Ma victoire à Poitiers? Oui, vous êtes un vaillant chevalier, Sire Édouard, chacun le sait. Mais racontez par moi, vos exploits entrent dans la légende. Assez de miel, Froissart! Ce Thierry Lafronde avec lequel vous avez choqué votre verre et notre pire ennemi, c'est un hors-la-loi redoutable. Fasse le ciel que vous n'ayez pas trop bavardé, ou je vous fais pendre pour trahison. Mais comment pouvais-je savoir? Vous auriez pu me prévenir. Je n'avais aucune raison de me méfier de ce charmant petit homme. De quel petit homme parlez-vous donc? Mais, Sire Lionel, de Thierry Lafronde. Vous avez trop bu, messire. Thierry n'est pas un petit homme. Oh, il n'est pas grand. Et son air naïf de petit lapin roux m'a entraîné à des confidences sans gravité. Le lapin roux, vous êtes sûr? Oui, messire Florent, roux. Ses cheveux sont roux, comme le poil qu'il se laisse pousser sous le nez. Ah, mon pauvre ami, tout s'explique, on s'est moqué de vous. Thierry est brun, très brun. Il a l'œil noir et ressemble plus à un jeune loup qu'à un lapin. Ceux qui ont déjà rencontré ce jeune homme les armes à la main savent qu'il est redoutable tant par sa vigueur que par son courage. C'est un ennemi, soit, mais c'est le plus vaillant chevalier de la terre de France. Il est noble? Thierry Lafronde n'est que le nom de guerre du chevalier Thierry de Janville. Janville? D'azur à la tour d'argent maçonnée, crénelée de sable, sommet d'une tourelle de même, sans créneau accompagné au chef de deux gerbes d'or. Quoi? Vous connaissez les armes de la maison de Janville? Eh oui, messire Florent, mon père est un peintre en blason, et j'ai failli embrasser la profession. Vous auriez aussi bien fait. Monsieur Édouard. Je vous engage à vous méfier des autres autant que de vous-même. Vous trouvez moyen d'être à la fois le plus menteur et le plus crédule des hommes. Et dans les deux cas, vous faites rire de vous. Il est hors de doute que des villageois se sont joués de vous. Mais que cette farce vous serve de leçon. Noble dame, chevalier... Gaston. Oui, monseigneur. Tu as entendu? Un jeune loup, le plus vaillant ennemi de l'Angleterre. Quel beau sujet de lettre pour madame la reine. Mon garçon, demain nous ferons connaissance avec Thierry Lafronde. Le vrai. Non, il ne faut se faire aucune illusion. Notre pauvre Martin est prisonnier. Il connaît trop bien la forêt pour s'être égaré. Enfin, tu n'as rien entendu, Bertrand? Ah, non, rien. Et toi, Boussicourt? Non, moi non plus. Mais si Martin avait été pris par une patrouille, il serait forcément passé devant nous. S'il l'avait emmené au village ou au château de Janville, oui. Mais pas s'ils l'ont emmené au château de Bueil. Édouard, Lionel de Clarence et tous les seigneurs sont à Janville, mais le gros des troupes et les renforts sont à Bueil. Ouais, avec les bombardes. Oui, Jean, avec les bombardes. Nous avons donc maintenant deux raisons de pénétrer à Bueil. Deux raisons, mais aucun moyen. Si, peut-être. Il a un nom, ton moyen? Un nom et un prénom. Jean Froissart. Et demain...